La 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 la. Salut Thierry. Salut Anne. Bienvenue au Bistrot Bobo. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous faire une recette. Ah mais on est dans les desserts. On est dans les desserts et surtout une recette de dingue. Puisque il n'y a que deux ingrédients. Wow. Mangue, citron vert. Donc là on part direction les îles. Toutes les îles que vous voulez hein. Où se trouve de la mangue et du citron vert. On peut partir aux Antilles, enfin bon bref. Vous allez voir. Ça, c'est une recette de dingue. Ultra simple, vous allez voir, c'est délicieux. Je vous prépare un carpaccio de mangue citron vert. On achète deux mangues. Il faut les choisir mûres. Vos citrons verts, moi j'aime bien quand même des citrons qui sont bien verts, qui sont pas durs non plus quand on les achète. Et bio. Et bio, bah oui, parce ça qu'on c'est va... bio. Tu m'as parlé de l'écorce tout à l'heure. Alors, vous allez me dire, ah oh, ouais, mais la mangue, c'est pas écologique. Ah ouais, mais oui. La mangue, c'est pas écologique. Alors, c'est la saison des produits exotiques. Oui, je sais, elles viennent de loin, ces mangues. Elles viennent de loin, elles viennent de Londres. Mais pour un petit dessert, de temps en temps, c'est quand même dommage de se passer des fruits exotiques quand c'est la saison. Premièrement, on épluche les mangues. Alors, la technique asiatique, c'est d'éplucher dans ce sens-là. C'est une technique que je connais pas. Donc moi, j'y vais comme ça, et on y va, on épluche. Alors là, comme on parle de carpaccio, on va faire des petites lamelles. On fait des petits morceaux comme ça, que vous pouvez recouper en lamelles. Hein. Et à la fin d'un gros repas, vous connaissez l'expression, ça glisse tout seul. Après un bon sauerkraut of love, ça descend tout seul. Je commence avec mon citron vert et j'y vais. Je parsème de zeste de citron vert. Et croyez-moi, le goût est bien développé. Mais d'où l'intérêt de l'acheter bio quand même. Parce que quand on mange comme ça la peau, le zeste d'un fruit, il vaut mieux l'acheter bio. Exactement. Ça évite d'avoir des pesticides dans l'assiette. Tu sens déjà l'odeur ? C'est bon, hein. Et rien que déjà cette odeur-là, ce parfum-là, en dit long, gustativement, sur ce qui va se passer dans notre bouche. Plus simple, c'est pas possible. Tu meurs. Tu meurs. Je n'osais pas le dire, mais... Ça sent l'été. Ouais, complètement. Ça sent le soleil. Alors ensuite, je vais y prendre mon jus. Donc on coupe en deux. Ah ouais, tu rajoutes du jus de citron. Bien sûr. Rien. Rien ne se perd, tout se recycle. Exactement. Ça, mon petit plat, je le mets au frigo. Mm-hmm. J'attends que ça refroidisse, j'attends peut-être une petite heure. Et après, je vous montre comment on sert ça. Alors là, j'ai préparé deux coupes de glace vanille. J'y vais. Hyper simple. Donc, hyper simple, goûtu. Bah tu sais quoi, on va goûter. Hein. On va goûter. Une heure après, tout simple, super bon. C'est très très bon. Bon appétit. Bon appétit, Anne. Et puis, à bientôt au Bistrot Bobo. Tchuuu.